Mbote na bandeko mamsonda emission na kombo ya Epouvez Esprit Nzambe apambola bino treke Nzambe na biso aza na bino na nyoso tongo ela muli susu to chukuzwa le susu Nzambe azomitalisa buto na moyi pona kobate la biso e komingo nga malamu pona ketoke ko bundela ke Nzambe na biso atese so termini ni bo comprendre le susu to sambeli na kombo na Yesu Masia. Éternel notre Dieu, te pécheur merci pour la dégo batteli biso, le coup sans raison et pas na yo, pamboulan de cognon sur la la qui ou la moussi et autres colongono, ba projet nous te pécheur à beaucoup na yo, ou bazo bela en zambi bazo lobiko, ou bazana ma cambounion sur zambi bazo solution, ton bon délibo et na combo et sur massia, amen. Zambé à pamboula yo, ou tu en abisso, et le thème n'a pas eu le bas, le culte agréable à Dieu, le culte agréable à Dieu, le lingue pesé à codoré en zambé, ou yon zambé à coco sepe, le culte agréable à Dieu, qu'au bon de la le sambo oyo et se pèse à Kanzambe. Et tout le temps, la mouke mouke na kat na makanda, pour la côté sa banan zambé, le sambo nini et gokoza agréable à Dieu, le sambo nini et gokoza se pèse à Nzambe, pour que banan zambé va bon de la kalulengewana. Yango, avant que tu avances, beaucoup de temps, il y a mukanda ya Marc chapitre 12, na verset 30, de te comprendre quand même, l'engue zambé. Azali ko talisa biso eloko na mutu ya makasi na kati ya Biblia oyo ezali likambo ya liboso pona baso basambelaka ndeko mabiso pona koyeba kilti nini oyo kozala vraiment appréciable pour te bakobondela batangeli biso na kombo na Yesu Masia. Marc chapitre 12 verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Baby, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et le premier d'abord, c'est avoir l'amour, avoir l'affection envers Dieu. Et Nzambe, Azan a poussé à te faire une beauté, il demande l'âme, la force, la pensée, il demande tout. Aimer Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton cœur. Nzambe alingi mutu apesa yenyoso et tout bakil voso que Dieu nous a créé pour lui et tous allez quoi partenir ye Nzambe akeli biso pona ye pe poto sale la ye. Alors abi il faut aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, de tout son cœur. Donc avoir un amour ou isolo que Nzambe alingi nyoso donc ko pesa e pa na ye. Donc na kati ya ko comprendre verset o une to ko la ça ba na Nzambe. Comment ça peut se faire, comment aimer Dieu, comment l'adorer, comment lui donner notre cœur, notre pensée, et comment lui donner notre nyoswana ou yazo sengabiso. Yango, et nous avons commencé pendant que nous sommes en Zambé, et toujours avec une adoration, le culte qui est agréable à Dieu. Il y a des gens qui se posent des questions, les gens qui ont été comment, pendant que nous par où adorer, et c'est comment adorer, et quand adorer. Tout le monde qui la femme samaritaine et azoki akutana Yesu Masia li bosu ya mai et ba beta ki solo pona ko ngakoye ba comment adorer et par où adorer. La samaritaine posait la question à Jésus-Christ et Jésus-Christ donnait des réponses et dans ma réponse est-ce que Yesu bana ko pesa ye atay sa ki ke ezali problème ya bisikate mais ce qui compte c'est comment et pourquoi l'adorer et le pourquoi il y a adoration. Il y a des gens qui adore Dieu, qui baso ko kusamba la Nzambe te baso ko déplacer ko sa ba voyage ko kenya ba Nzamba ko kenya ba ngumba pona ko adorer Nzambe. Des fois quand ils ont des problèmes ils cherchent à quitter les maisons, aller très loin dans la brousse, dans des brousses, des fois pour les zones que la bango pona ko adorer Nzambe. Mais nous allons trouver ensemble avec Jésus-Christ, il va nous répondre pendant notre session par où est-ce qu'on peut adorer et comment adorer. Et nous allons avoir toutes ces réponses avec Namunokuya. Quand Yesu Masia est mort, ils ont la réponse. Oye, Koko, tu as t'embêté. Si c'est Jésus qui nous parle, tu es obligé. Il te faut accepter parce que c'est la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 4, à partir du verset 20, de Bakota, il s'habille jusqu'au verset 24. Alors, Yo, Landa, Makambo, Yo, Nao, Senga, Yuzanin.
faut pas s'habituer à faire des tembe inutiles ou tiens tembe mon quoi zangatina des doutes inutiles. Tant que comme le banzambe, si on lit la parole de Dieu, la Bible, même si ça contredit votre pasteur, il faut accepter parce que c'est la Bible. C'est-à-dire votre pasteur est dans le faux. Ce qu'on vous dit, Makambutolobi, il a écrit dans la Bible, c'est-à-dire pasteur n'a pas accepté comme abbé. Alors il faut accepter. Ce n'est pas qu'on tient tembe. On critique pas. On n'est pas tenté. On ne critique pas les gens. L'endroit, les bisikanini, il faut adorer. La femme samaritaine en train de poser des questions à Jésus-Christ. Jésus-Christ a répondu dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, toujours comprendre. Ah ouais, Zambé, attends, c'est comme il a monté à ma casse. Le bi, nos pères, bah papa la biso, bah adora qui Zambé na katia bangomba et bino bah juif bah na kolobaka qu'il fallait quoi donner quand à Jérusalem. Maintenant, la femme samaritaine a eu la confusion, a eu coopéré avec Jésus-Christ pour qu'on tourne les moutons à eux. Je sais que moi aussi, ils allaient quand ils ont placé. A bingonga, et c'est coquille. A bingonga, et c'est coquille. Et c'est coquille. Ou que Batou Bakodou, c'est un Zambénakat, n'a pas combatté. Batou Bakodou, c'est un Zambénakat à Jérusalem. Batou Seri, tu vas voyager, tu vas plage pour qu'on s'en bête. Ngonga, et coquille, essayez. Ou il ne faut pas déplacer, tu vas que tu vas en Zambé pour qu'on s'en bête. Ou pendant que vous avez dit 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 ce n'est pas le moment où vous faites le contraire. Mais le temps où vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit en vérité. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui cherchent à nous. Il y a plein de gens là-bas. Ils ont voyagé, ils ont dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Alors ils ont dit rire. Zambalobi, Zambé a poussé à l'yété. Pour adorer, pour le quitter adorable, ce n'est pas pour me aucun ngomba. Ils ont pour me aucun ici comme souter. Mais ici quand nous y osali, Zambé a beaucoup de choses. Les gens pas tout ça, bas commerce, bas comme marchander, na kenda kingomba, na salé prière na ngomba, y a mon des Zambé sali. On dirait que biso tout égal n'andako, Zambé a beaucoup de choses. Vous avez quoi prendre biso et vous allez contrer la parole de Dieu et vous contredisez Jésus-Christ de Nazareth. Ou vous allez peindre le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, place à Kosambela, et ceux qui pètent, attend à Katianda dans la chambre, attend, ouais, puis parce que vous avez un bureau, vous avez un bureau, vous avez tu peux adorer Dieu. Place à ce que vous avez, vous avez un bureau. Mais les gens qui croient qu'il faut aller te mettre en gomba, dans ma gengenge, ça, c'est ce n'est pas le temps. Vous avez un temps où vous avez un temps, 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 vous avez un temps. Alors, mon frère, ma soeur, il y a des gens, vous avez dit ça, pendant qu'on adore Nzambé, tout ça, Zamba, tout ça, oui. Mais c'est ça le moment où il faut comprendre que adoration, place à adorer Nzambé, ils allaient obliger. On n'est pas obligé à aucun Ngomba. On n'est pas obligé à aucun. C'est quand même ce que vous avez dit. Mais il faut adorer Dieu en vérité. En vérité, c'est-à-dire chercher à Kotambola, je vais expliquer qu'est-ce qu'il veut dire en esprit et en vérité. Et nous avançons d'abord pour l'écouter ce matin Zambé dans Mukanda. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 28, vous comprendrez que Zambé a besoin de poser que Zambé va comprendre que c'est ça le moment où il s'agit que Bouye va comment adorer Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 28, Bataille n'a pas compris ce matin. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte.
Donc, il faut tout rendre à Dieu les cultes agréables, avec piété et avec crainte, avec tout manifester notre reconnaissance envers Dieu. L'adoration, c'est une façon de manifester notre reconnaissance. Pour rendre à Dieu un culte qui est agréable, qui est vraiment un culte, il y a la vie de la sanctification, la piété, c'est ce qu'on appelle la piété. Et quitte où ils allaient la crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, on voit des gens sans crainte. Un pasteur impudique en train d'adorer. Aujourd'hui, on voit des prophètes voleurs en train d'adorer. Premièrement, la piété. On parle de la piété, de la crainte de l'Éternel. Un homme qui n'a pas la piété, un serviteur de Dieu, Azana via Milangwa, via Kindumba, il est en train d'adorer. Il est en train d'adorer quel Dieu? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui prient un Dieu qui ne connaissent même pas ces dieux. Pourquoi adorer un Dieu que vous ne connaissez pas? Il faut adorer le Dieu qui ose comprendre ma lame. Ça veut dire que c'est ça le moment. Et c'est pourquoi tu vas porter la confusion. Il faut adorer Dieu en vérité. Il faut que vous manifestez votre reconnaissance en Dieu. N'a piété. C'est cette façon de manifester votre reconnaissance. N'a piété, puis n'a pas crainte. Donc, comment tu peux dire que tu es en train d'adorer Dieu? Pourtant, que ta vie d'abord, ils en a quand il y a péché. Un homme qui a la vie de péché ne veut pas dire qu'il est en train d'adorer Dieu. Il faut d'abord commencer par la vie de sanctification. Alors, c'est comme ça que la Bible nous demande la Bible. Tout ça, mais là, la vérité. La vérité, c'est adorer Dieu selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous faut avoir un culte qui est juste. Les cultes où ils agissent, ils ont le culte où ils ont se conformer selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui font des choses, où ils ont la Bible, qui est adorer les âmes. Et si tu veux adorer Dieu, si tu veux être sûr qu'il y a adoration des âmes à l'âme, il faut l'adorer selon les Écritures, selon ce qui est écrit. Mais si vous êtes en dehors des Écritures, à ce moment, adoration, ils ont les bandes de la parole de Dieu. Ils ont l'adoration à l'âme. Alors il faut l'adorer selon, en vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est le chemin à suivre. Et celui qui marche dans la parole de Dieu, qui adore Dieu selon sa parole, adore Seigneur selon la révélation de la parole. Mais les gens basa continuent quoi adorer Nzambe na lulenge mususu. Basa de quoi adorer Nzambe na babilo ko mususu wesa la biblique. Alors c'est pourquoi les enfants de Dieu faut beaucoup sinon tu beaucoup dans ba kit ba démon sans le savoir en croyant que posa quoi adorer Dieu. Adorer en vérité, c'est marcher dans sa parole, c'est adorer Dieu selon sa révélation, selon la révélation. Mais quand on dit adorer en esprit, ça veut dire être authentique, c'est-à-dire marcher selon l'authenticité, c'est-à-dire selon être sincère, que votre esprit est en communion avec Dieu. Et que votre esprit est sûr que tout ce que tu dis dans ta bouche, ils allaient vrai contre la carte. J'ai vu des gens dans les églises en train de parler des choses où ils disent que c'est un peu. Alors, ils disent que l'adoration de l'abysso, ils allaient vraiment en vérité. Ils allaient vraiment en esprit. C'est-à-dire, quoi adorer Dieu selon la révélation, selon sa révélation, selon sa parole, selon ce que Dieu nous a montré dans sa parole. Pas aller en dehors de ce qui est écrit. Et adorer Dieu en esprit, ça veut dire que l'adorer, le donner avec votre sincérité, votre cœur, votre pensée. Et vous êtes sincère de ce que vous dites. Alors c'est ça l'adorer. Dieu ne regarde pas l'apparence. Il y a des gens qui viennent dans des églises, des fois, bazo beta monoko. Zambé kumama. Ce n'est pas ça adorer. Il y a des gens qui vous font des répétitions de choses. Donc quand vous adorez Dieu, il faut être là présent. C'est pourquoi dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 7, il nous dit que Zambé atalaka peza mzotote, Zambé atalaka surtout mon thème ya mont. On le lit c'est le verset de 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Pourtant c'est moi qui n'ai pas comprendre que ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Dieu veut que Boutamoul Sama, selon sa parole. Et dans la parole de Dieu, Dieu ne voit pas l'extérieur. Dieu voit directement l'intérieur, le cœur de l'homme. Bataille la course sans arrêt. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Donc, Zambé, bien-aimé, Zambé, ça n'a pas été tant que Yosuya, Ozoui, Babanzembo, mais via implicité, ou Tikina noté, toi tu vois que tant que Yokoye, Babanzembo, ou Poyna, émotion musicale, le cas, c'est que non, Zambazoka, non. L'Éternel regarde le cœur de l'homme d'abord. Il faut que l'homme, le cœur qui veut adorer Dieu soit d'abord sincère. C'est ce qu'on appelle être en esprit et en vérité. C'est-à-dire être sûr de la parole de Dieu et marcher conformément à la parole. L'adoration, ce n'est pas parce qu'on est en train de chanter. Ce n'est pas seulement la musique. Oui, quand on a chanté, même pas tous les sorciers dans l'église, ils peuvent chanter la musique et avoir les sentiments musicaux. Et mon frère, ma sœur, je vais vous dire une chose. Bah, tu vas confondre les musique, sentiment musical, des émotions musicales avec les émotions y a adoration. Ou comment mon temps bah y a bien zéro zéro et outil dans beaucoup na bangou c'est qu'il y a beau tama. Ok, zéro ne serait moins sale. A quand ici bon moana. A quand ici on passe y a beaucoup quand y a pas de coupi dans zéro moana. Mbala moko mon temps bi na qui pousse zam bazam mon nez na qui sentiment ou qu'on a ça sentiment y a zéro tobe y a zéro zam. Mais ceux qui ont vécu ailleurs, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la piété. Et tu pressens de pareils sentiments, et c'est pas sentiment dans autre on a yo. Ça ne vient pas de Dieu. On a vu comme dans le monde, les musiciens en train de chanter les chansons profanes, les gens qui émotion. Toutes ces émotions là, il faut pas dire que c'est l'adoration. Alors essayez que l'homme soit sincère quand il veut adorer Dieu. Il faut pas répéter seulement les mots. Il y a des gens, Zambé, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Non, il faut dire, il faut être intelligent, sage, il faut savoir ce que tu dis. Il faut être présent dans ta prière, quand tu t'entends de prier, quand tu t'entends d'adorer Dieu. Il ne faut pas qu'on prononce ma mot. Gloire à Dieu, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Dieu, frère, c'est ça sa façon de prier, sa façon d'adorer Dieu. Zambé, il a plusieurs noms. Quand on voit dans la Bible, on voit Dieu avec plusieurs noms. Chaque nom a une signification. C'est pourquoi quand nous l'adorons, il faut tout penser pour nous couper ce changement, couper sa parole nous précis, avec une parole précise, avec assurance, avec un cœur sincère, pour nous couper ma tina envers notre Dieu. Ce n'est pas dire des choses. Dieu soit loué, Dieu soit loué, Dieu soit loué. Bien aimé, même si tu n'as pas mon tour, la commission, elle lui dit 10 fois. Vous savez, la commission, pourquoi? Mais Dieu qui est plus intelligent que nous, il ne peut pas se poser pareille question. Il faut être comme ça, Zambé dans la commission. Il y a même des gens qui n'ont même pas de paroles pour glorifier leur Dieu. Seigneur, je te loue. Oui, il le répète comme ça 20 fois. Même le Seigneur va se demander, pourquoi? Faut Seigneur, je te loue parce que tu m'as gardé en bonne santé. Si je te suis reconnaissant. Tout le monde est bien le venir. Tout ça, reconnaissant. La reconnaissance, la boulam aux ambassades sales. Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu m'as protégé, tu m'as donné la vie sauve pour tout ce que tu as fait, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te suis reconnaissant. Ce n'est pas que, Seigneur, je te suis reconnaissant. Oui, Seigneur, je te loue. Non, il faut adorer Dieu selon sa parole, selon sa révélation. Connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma sœur, que dans l'adoration, il faut être d'abord sincère. Il y a des gens qui prient. Ils vont prier dans mon oko. Ils ont tout le monde exalté. Le monde m'a cassé qui n'en d'accou. Alors tu continues à consommer la zambe. Alors tu oublies que si tu as consommé la zambe, ils allent combattre. Ou qu'ils n'ont pas pas envoyé comme moi, ils pampent. Reste même dans ta maison. Dieu est partout. Il faut pas se faire des voyages, aller très loin pour aller chercher Dieu. Dieu marche avec vous. Chaque jour, vous dormez avec lui. Il faut pas faire des voyages pour le chercher. Ils ont marqué battre le cas dans zambe. Ils ont attendu mes zambe à sa côté na bango. Et donc, pour Dieu, pour t'écouter, il faut seulement aller en brousse. Pour qu'il y ait un meilleur, il faut mettre en bomba. Mais il y a beaucoup de sorciers qui montent là-bas. Il y a beaucoup de sorciers, on va taper dans bomba. C'est pour ça qu'ils sont dit sur le pays. Si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, à ce moment-là, tu peux aller. Mais celui qui adore ce qu'il comprend n'a pas encore besoin d'aller encore à la montagne. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que le culte soit adorable, il faut que le culte soit réfléchi. Ça veut dire quoi? Il faut tout raisonner. Parce que Dieu nous a demandé la pensée. Donne-moi ta pensée. Donne-moi ton intelligence. Alors, c'est pourquoi que notre culte, il faut que le culte soit réfléchi. Culte soit avec intelligence, avec sagesse. Et ce n'est pas où je vois aujourd'hui les gens qui ont adoré ça, mais quoi ils ont la Bible?
On est en train d'adorer Dieu. Tu tombes bout, tu fais comme le col mort, le col cadavre. Est-ce qu'un cadavre peut commencer à adorer encore Dieu? Et vous émotionnez, vous tombez, vous vous perdez. Ça, c'est des démons. Là, au moins, il est possédé par des démons qui ont un bon mot. Mais au moins, on a quitté l'adoration normale. Vous tombez comme ça. Est-ce qu'on est en train de vous délivrer? Vous êtes encore possédé ou bien quoi? Alors, la Bible nous demande d'être sage, intelligent. Au moins, on sait quoi adorer Nzambé. C'est pourquoi, si vous êtes dans Marc chapitre 12, verset 30, Dieu nous demande la sagesse, nous demande notre intelligence. Nous devons être là, présents au moment où nous prions Dieu. Nous devons être présents à notre conscience, il faut être normal. Ce n'est pas toi, quand tu pries, tu te perds, tu tombes. Comme ça, le col a osé malade, il y a un déguin. C'est ça l'adoration. Il y a des gens qui veulent prier comme ça, ils se perdent comme le col, ils disent, non, il faut dire ce que tu comprends. Il y a des gens même qui répètent des prières bibliques. Donc, oui, il faut dire quelque chose comme ça avec Dieu. Ce n'est pas toujours continuer à répéter ce que Jésus-Christ avait dit. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est là pour tout répéter. Donc, il nous a laissé, on a l'intelligence. Il faut parler à Dieu. Seigneur, je te loue. Seigneur, parce que tu m'as protégé. Mon Dieu, tout ça. Il faut avoir des choses, des mots. Comment louer l'Éternel? Pourquoi tu le loues? Ce n'est pas je te loue. Seigneur, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue 20 fois. Pourquoi 20 fois je te loue? Seigneur, va se poser la question, pourquoi tu me loues? Pourquoi? J'ai fait quoi pour que tu puisses me louer comme ça? Que tu n'as pas mon pourquoi tu n'as pas passé en abino? Attends, papa, papa, abino, papa, la commission, papa, la commission, papa, la commission, c'est la langue du foie. Il faut te poser la question, mon fils, oui, ma fille, pourquoi tu veux ça la soir? Alors qu'il faut que tu aies à son abino. On est dans les 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 à 6. Nous verrons comment la Bible nous demande d'être présent au moment où il y a quitte d'adoration. Il ne faut pas nous perdre de mauvaise adoration. Vous savez quoi adorer Nzambe? On sait perdre. Yo moko bungi, on m'y ébrise sous terre, on commet le col et bébé, on commet le bloc, le col et montali, bon, blablabla. Non, non, il faut être présent. Il faut être présent au moment d'adoration. Surtout dans des kits publics, il faut contrôler ma pensée. Moi, quand je prie, je me sens, je me vois, je me connais. Donc ce n'est pas dans un sambe, la mi bungi, la mi sous terre, la mi la manini. Non. Et en priant, il me faut un ami, qui suis-je? Alors, c'est pourquoi vous allez avancer. Maintenant, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 à 6. Maintenant, comme ça, on s'arrête. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 et 6. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous renversons les raisonnements qui s'élèvent. Un enfant de Dieu, quand il est en train de prier, il va renverser par raisonnement à un démon. Toi, tu commences à dire, comment ma belle sauter. Ça, on est malade, le problème n'est pas. C'est normal, il faut que tu sois normal quand tu pries. Il faut humilier quand tu pries. Tu es un homme, tu pries ton Dieu, tu lui parles. Seigneur, je te loue pour ça, ça. Mais tu me souviens, en tant qu'adoration, qu'on perdre bon moté, il y a des gens basés au cimetière, aux bons, tant aux bons, tu te laisses faire, tu ne renverses, tu n'es pas capable de renverser encore des raisonnements, il y a des mots à dominer, yo. Il faut faire attention, des mots à côté d'amis, tant on va s'embêler là, et tant yo basé qu'au bon de là, et tu perds ta pensée, ils en basent pour ça, la pensée na yo, raisonnement na yo, votre façon de comprendre les choses, tu dois être présent au bim, tant on va s'embêler là. Alors basé dans le bim, nous renversons des raisonnements. Alors, tout comme je suis en train de sauter, et puis tout le monde qui démon, je vais commencer à sauter pourquoi? Tout le monde est en train de prier. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mon frère. Ce qu'on a dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 40, dans le Bible, Dieu aime l'ordre. Il faut prier avec en ordre. Il ne faut pas prier en train de sauter. Moi, il y a quelqu'un qui se dit, tu vas s'embêler. Il y a besoin de moi. Tu vas quoi? Quitte quoi? Où Saint-Esprit? Ça, c'est que Saint-Esprit du désordre. Ça, adorer Dieu, ce n'est pas ce qu'il faut croire. C'est lui l'aimer. Lui faire confiance. Alors, Babi, Awa, essayez de la présence. Surtout au sentir que penser à mon côté, oui, il est dominé par penser en Zambé Zanakatanga. Il faut condamner Yango. Zamba, il a sauté. Il a sauté pourquoi? En train d'adorer, on a la veste, on a le pantalon. Pourquoi je vais enlever mon pantalon? Il faut que je dise non, je refuse. Il a la tête qui tourne en adorant Dieu. Il a la maladie. Pourquoi je dois faire ça? Je me pose la question, ça c'est l'esprit démoniaque.
Alors c'est pourquoi je me suis dit que Mme Kanda Mathieu 6 à partir de cette lobby, qu'on s'en met la mon côté, pas battre, ou qu'on y batte ni aux autres aux autres mais moi je veux que battant dans 1 Corinthiens chapitre 14. À partir de verset 16, 17, pourquoi ici on donne encore un conseil? Il y a des gens quand le prix, il y a des infidèles. Quand vous priez là où il y a des infidèles, même à l'église, même dans votre maison, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas ensemble avec vous, même là où il y a des voisins, il sait que lui qui va voisin, il ne faut pas prier le coup là où il y a un mot sous mon terre, comme le bacabra, Non. Dieu refuse ça, ce n'est pas moi qui le dis. Et si même votre passage, le bien, moi je ne dis rien, mais c'est la parole de Dieu. Regardez maintenant dans 1 Corinthiens 14, verset 16 à 20. Donc, au Comona, la Bible nous demande de ne plus faire de parler des choses qu'on ne comprend pas. Donc, prière est incompréhensible. Donc, ils ont eu qu'on a pété. On ne comprend même pas le Kozoloba. Ou bien, prière, Alléluia, Seigneur, blablabla. Donc, ça, c'est quoi? Donc, vous dites quoi? Vous priez quoi? Vous ne comprenez pas ce que vous dites? Vous n'êtes pas normal ou quoi? Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 16 à 20. 1 Corinthiens chapitre 14. Versets 16 à 20. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisque il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Mais on comprend comment apporte Paul à tout le monde. Ah, mais c'est bien aussi, c'était un abus jusqu'à verset 20. Frère, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Tu comprends alors comment 1 Corinthiens chapitre 14, verset 16 à 20 expliquer bien sûr le but. Quand vous priez, ce qu'il y a quelqu'un, même dans votre maison, même dans votre église, quelqu'un à côté de vous, et quand vous parlez des choses que les gens ne comprennent pas, un langage de barbares, et vous parlez quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre, vous faites des glossaries. Abracabacabra, un langage moko fondaki. À ce moment-là, la Bible se pose la question. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui se pose cette question. Mais là, Moutoukoy Azapemene, comment il dira Amen à ta prière? Apporte pour en diminuer. Oui, d'abord quand même, on le dit quand même qu'on doit rendre grâce dans Zambé. Tu fais comme des choses, on doit m'amener bien, mais on ne te comprend pas. Apporte pour le gars, écoute, apporte pour dans le bac à langue pour les cabines nions, parce qu'il y a mon tabac, il m'a langue, bien moi bien quand côté, par langue, mais ça va tomber par le tabac, il m'a langue. Bien, par langue à l'obagawana, sur la zone à cette église, à préférer à calo bagar à matin, malo mitan ou pas, bagar à l'obagawana, malo bizanga tina, bra, on l'écoute pas. Peut-être ça, et coco, ça là qui est païen, va perdre même foi. Ils vont se dire, mais ça, c'est quelle prière, ça, c'est quelle église, on devient des petits fous. Alors les gens vont refuser de prier. C'est pourquoi la Bible nous demande dans le verset 20, la Bible, mes frères, ne soyez pas des enfants dans le jugement spirituel. Quand vous voulez juger, il faut être des grands, chercher à connaître pourquoi ça, je dois faire ça, pourquoi, pourquoi. On nous dit, il faut juger cela, savoir. Il y a des gens, vous êtes dans une église, tout le monde est en train d'adorer, qui d'adoration est bandit, Alléluia. Non, c'est quoi? C'est la Bible qui se pose la question, ce n'est pas moi. Alors, vous adorez ce que vous ne comprenez pas. Des fois, la Bible, ce qu'on dit à l'apôtre Paul Zomanini, les gens diront même que vous êtes des fous. Je ne sais pas si M. Pierre, tu fais ces versets-là. Ou que non, les gens ne diront pas que vous êtes fous. Et ça, c'est une façon maintenant de perdre la valeur de notre Dieu. Alors, parce que Nzambé, il aime la sagesse, l'intelligence et l'ordre. Il faut que les hommes soient présents au moment où Bazo Sambela. Bazo la présent, Bazo Bamakambo, Bazo comprendre, puis Bazo va bien. Oui, M. Pierre a trouvé le verset dans 1 Corinthiens 14 pour vous montrer que la Bible même nous demande que si on parle de choses, de prières intelligibles, on devient comme de petits fous parce qu'à ce moment-là, on ne saura pas nous comprendre. On ne comprendra plus jamais. Bataille la coupe sans arrêt. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Si donc
dans une assemblée. L'Église tout entière se met à parler en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Au comprendre de mon frère, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non, c'est la Bible. Et la Bible nous demande de ne plus prier comme des gens qui ne comprennent pas, ou bien des gens intelligibles, des prières intelligibles qu'on ne comprend même pas. Et notre prière doit être distinguée avec la sagesse, avec l'intelligence, et savoir renverser les raisonnements, Nyon sur ma baie. Sinon, on risque de prier comme des petits fous. À ce moment-là, on est tenté de dénigrer la valeur même de notre Dieu. On fait fâcher Dieu. Parce qu'ils n'ont pas besoin de battu à ordre, pas battu à désordre. Le kit d'adoration, j'ai dit d'abord, on a bien aussi le kit d'adoration. Et puis, kit d'adoration, il faut ça la kit, moko, où il est toujours comme ça, Nzambe, de donner son cœur. D'abord, c'est une façon de nous offrir à Dieu. Parce que le véritable kit d'adoration, c'est Romains chapitre 1, verset, chapitre 12, verset 1. Et puis, pensant au tonnerre, mon bimba, le cola, une offrande, sacrifice, mon frère, parce que quand nous parlons du corps, c'est notre vie que Dieu nous demande. Dieu nous demande la force, l'intelligence, nous demande notre âme, nous demande tout, notre esprit. Et c'est pourquoi nous avons un peu de pourquoi Dieu demande les corps? Il y a des gens qui disent peut-être dans le bien, bien aimé, quand on est dans ce monde, il est impossible d'être à même fois dans le monde. Ici, ce qu'on était, nous avons besoin d'un corps présent dans l'église. Vous offrez votre présence. Dieu a besoin de votre force pour prier, vous parler. Ça c'est ça, vous devez zamber la commission, ça demande des énergies. Zamber à la poussée dans votre façon de vous déplacer. L'offrande agréable à Dieu, c'est aimer les autres, aimer Dieu, et visiter les pauvres, et garder les gens à l'hôpital, marcher dans sa volonté, c'est ce qu'on appelle la vie de piété, la vie de sanctification, c'est marcher dans toutes ces choses. Alors, Zamber a signé la bisseau, tout il va quoi adorer, mais les liens auxquels il faut adorer, même dans votre maison, même dans votre chambre, dans votre voiture, partout où vous êtes, vous pouvez adorer. On ne demande pas avoir des temps pour tout ça. Mais quand vous nous sommes là, vous allez libre. Et chaque fois, partout où vous êtes, vous pouvez prier. Il y a des gens qui vous font des voyages. Parce que nous avons des gens qui nous ont dit que nous avons partout où nous sommes partout au temple. Alors tout le monde dit ah, ok, il faut adorer Nzambe na katina place nous jusqu'à vous allez. Tout le monde dit que tant que vous sommes là, vous allez mailler. C'est là mon tour, vous comprendre, il faut que le raisonnement soit ça là. Tu peux dire que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, chapitre 10, verset 5, que si vous avez tant que vous êtes là, vous êtes dans l'ensemble, vous êtes présent, que vous avez une nécessité, que vous avez une nécessité, que vous avez une ça c'est les démons. Avec Dieu, Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Tu ne peux pas commencer à sauter. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle vraiment clairement avec beaucoup de sagesse. Non, Dieu ne peut pas dire comme ça. Ça, ce sont des démons. Ils ont conduit le bateau. C'est un Dieu de l'ordre, n'est pas un Dieu de désordre. Nakatia 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40 tout le monde nous embête c'est que le Seigneur toi adorer en vérité mon frère ma soeur tout le but pour la dingue sambela même temps que vous avez mis ça il faut que le maloba oyo où il faut payer sa valeur dans Zambé, il ne faut pas parler des paroles intelligibles, des langages des barbares, les gens, choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Même Dieu ne te comprend pas. Parce qu'ils ont même le bien, okay, parce que tant que le bango, Dieu même ne te comprend pas. Il y a des gens comme ça, conduits par les démons, abandonnés qu'on semble à la fin de temps, alléluia, comme le chavada manada, c'est quoi ça? Vous dites quoi? Et c'est un langage barbare, vous parlez à qui? Dieu ne comprend même pas ce langage. C'est pourquoi Zambé a son ayo, adoration, au pécio, ou comprendre que l'adorer Dieu, c'est l'aimer, c'est se confier vous-même à lui. Nzambe a pambola bande ko sola ndibiso et c'est quoi quand même tout ce qui n'a pas ça moi tourna moi question et sur les awa Nzambe a pambola yo la ndibiso et moi d'abord mituna bazo tourna et ceux qui peut-être aux amis tourna poser ma question les sous to kozanga te ko ya pas na ko faire réponse mais je vous en prie ne te fâche pas je vous prêche la parole c'est ça la vérité c'est la Bible. Zo ba fesse on attend comme le Nzambe boy ko le ba gloss la na kati ya Nzambe na kati ya kisa Nzambe. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Mathé Zalaki très riche. Je pense, peuple de Dieu, Azali édifié.
pasteur à l'obéli makambwetali lieu d'adoration. Ils allaient ngombaté ndekolé loto zambaté parce que oko kende zamba soit disant ko lokelongi na nzambe okomi kuna serpent à suyo. Wana kozongaté koloba basuyo pona gloire de Dieu té parce que Jésus a loba qui soyez prudent comme le serpent. Zamba ezali place banyama bafanda ka soki serpent moniyo ako considérer le la menace pour naïe, alors à faut yo pour na imprudence naïe. Pasteur Richard, y a-t-il plusieurs façons d'adorer Dieu? Oui, il y en a plusieurs façons d'adorer Dieu. Et Dieu nous a créé tout qui s'en dégénion sur son nom, montignon sur son dégé naïe, dégé Bessé Pierre Rosalie capable d'adorer Zambé, Zané Nango Salapé Yangote, parce que yon a tout qui s'en makas. Dès que tu empreinte digitale, c'est comme ça que nous sommes différents. Il y a plusieurs façons d'adorer Dieu. Où nous sommes, mais le premier acte de la nous la carte vérité, puis la carte il y a esprit. Est-ce que quoi qu'il soit, pasteur Toyeba, forme extérieure, il y a adoration. Est-ce que ils allient vraiment dans Mutuya, la carte il y a relation Zambé, na mondine, na mona naï. Oui, forme extérieure, ils allient aussi important, mais ils allient aussi très important. Toi, ils allient aussi important, mais vous allez très important, ils allient forme intérieure. Pour que le livre de Zabazo, qui est à mon thème, surtout quand vous êtes tout le temps versé, mon croix, dans 2 Samuel, il y a considéré ma cambo, il va considérer raté. Il y a considéré mon thème, mais il y a une fois qu'il y a une apparence extérieure, il y a un beau boto, le club pharisien, il y a un sang, il y a un qui dit que il va condamner le monde qui est en enfer. Alors, il y a un constat qui est en sang, il y a extérieurement, tant que vous avez 4 qui sont allés, et c'est mon an. Mon toi azo qui c'est pas dans Zambé, ça va se voir aller ni la façon na yepe azali humble, mais humble na ye ezalate ya hypocrisie ne ezamabe, mais ceux qui azali vraiment humble, il est vraiment sincère, là Dieu le bénit. Pasteur Richard, maté alelo et bandina passage à Marc chapitre 12 verset 30 et paywa pi Bible et lobby, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ba acte nini oyo mondini ya koki ko poser les lots pour na ko démontrer que alingi nzambe na ye. Oui, mais Dieu c'est avoir l'affection de Dieu, avoir l'affection de Dieu. Mutoaza mutoaza nzambe, on le voit d'abord par sa façon de fréquenter son église. On le voit chaque fois à l'église, aller l'adorer, les glorifier, visiter les malades, parce que avec cet amour qui va lui pousser d'aimer les autres, visiter les pauvres, les orphelins, tout ça, et pratiquer, s'offrir lui-même pour son Dieu. C'est ça l'amour, marcher surtout dans la sanctification et la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire celui qui aime Dieu, il voit Dieu partout, et il sent Dieu. Maintenant, tout ce qu'il fait, il voit, il veut le faire toujours, qu'il faut qu'il cherche à être conduit par Dieu lui-même. Alors, Moutouaza na manifestation bongo, azo tamboula na crainte de l'Éternel, c'est celui qui l'aime. La Bible est lobby na Jean chapitre 14, verset 23. Si vous m'aimez, gardez ma parole, et moi-même et mon papa, je viendrai faire ma demeure chez vous. Alors, c'est dire, Moutouaza na Nzambe, azali Moutouaza na garder la parole de Dieu et marcher dans sa parole. Pasteur Richard, d'après ma solo, d'après opinion générale, combien de mortels adoration Isali, tant na église, musique et bandico beta, bat bandico bina. Mais est-ce que côté yandenge ou tu côté yaboye, ça fait aussi partie de l'adoration, oui ou non? Oui, et ça fait partie de l'adoration parce que adorer c'est servir Dieu, c'est l'aimer, c'est faire des sacrifices à Dieu. Et ce qui est notre prédication, Isali, ma prédication, Isali, qu'au tombe l'anzambé. À ce moment-là, cette prédication fait part de l'adoration, fait partie de l'adoration. Ils ont fait partie de l'adoration. Mais il y a des fois, ce qui m'a toujours c'est prêché, bangomoko, ils ont prêché, ma casse naie, miracle naie, kitoko naie. À ce moment-là, ils ont dit adoration. Mais ils ont adoration quand tant vous ont prêché pour élever seulement Jésus-Christ et vous humilier et élever seulement Jésus-Christ. Et tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est une façon de l'adorer, les offrandes, et la prédication, si on prêche sincèrement avec notre serment, alors à ce moment-là, ils allaient adoration envers Dieu. Pasteur Richard, mais quand vous êtes un peuple de Dieu, ils allaient dans l'église, ceux qui ont côté parole de Dieu, vous sentir que par rapport à la Bible, vérité, ils allaient prêcher totalement. Mais tant que vous avez un moment il y a adoration, c'est-à-dire quand il y a prière, quand il y a louange, au sentir que vous avez une dimension, Saint-Esprit est quitté. Est-ce que l'église est bongo, il faut tout condamner?
Monsieur Pierre, il faut savoir une chose, Batobazo confond le Saint-Esprit avec les émotions musicales. Les émotions du Saint-Esprit, et que c'est, il y a des gens avec la musique, même dans le monde, quand on joue la musique, et tu sais, il y a des émotions. Et ça, que des fois, on a vu ça depuis qu'on était encore des païens, on écoutait la musique. Il y avait des gens dans le concert musical, il y avait des païens, il y avait des Batobazo, quoi, il y a des émotionnés dans la musique. Au Landat, même musique à Michael Jackson, il y avait combien d'émotions. Aujourd'hui, les gens croient que tout ce qui se passe, et tout ça, il y a point en Zambé. Mais c'est Pierre, vous devez savoir une chose, qu'il y a des gens qui sont émotionnés par la musique en croyant que le Saint-Esprit, si dans cette église, c'est parce que ça va s'embêter, il y a des instruments qui toquent, il y a des émotions, la musique, il y a des dimensions, il y a des sentiments, sentiment musical, et puis c'est un goût moko pour la musique, et ben on va penser que c'est le Saint-Esprit. Et ça, il faut pas quoi que nous ils ont parlé de la parole. La Bible dit au commencement, vraiment c'était la parole. Donc si la parole les a mal prêché, adoration c'est à zéro et aussi mbaté. Parce qu'il faut l'adorer dans la vérité et en esprit, c'est-à-dire l'adorer selon les Écritures. Et si on adore Dieu en dehors des Écritures, à ce moment-là, on est dérouté. Et il faut savoir une chose, mais c'est pire que ceux qui moutou déjà ils amabé. Et je ne crois pas que oui, c'est Maïko Bonga. Et moutou d'abord, si la tête est déjà, la tête c'est la parole. Et si dans cette église-là, le pasteur déjà a Nanzela Mabe, et surtout l'église qu'on va conduire dans le bateau Zambé, a permis de conduire dans l'église Wana, ils allaient dans le déroutage, dans des bandades totales. Je ne sais pas comment vous avez encore d'autres questions. Ah oui, pasteur Richard Nayo qui a insisté Mingi sur la sincérité. Est-ce que sincérité, Ezali Penza, un facteur, même ceux qui ont une église, ouapi, vérité, Ezali prêchete. Mais la sincérité, c'est d'abord, j'ai dit que d'abord, je parle de la vérité. Et la vérité pose à la sincère, et maintenant, il faut les lier avec. Pour bien parler avec la vérité, pour bien comprendre la vérité, la sincérité, il faut marcher dans la vérité. C'est-à-dire, quand on parle de la vérité, c'est-à-dire dans les Écritures. Si tu veux être sincère, c'est selon les Écritures, selon ce qui est écrit. Mais si vous êtes sincère selon les églises, parole de Dieu, à ce moment-là, vous êtes sincère, mais c'est Père, il y a combien d'églises pour le moment dans notre pays où on lit bien Jésus-Christ, on dit que c'est moi Jésus. On dit bien prophète, on dit c'est moi prophète. On dit bien Dieu, on dit c'est moi Dieu. À ce moment-là, votre sincérité, ils allaient prendre à un homme. Vous croyez à un homme, vous ne croyez pas à Dieu. Mais nous, nous croyons à un Dieu puissant qui n'a jamais été dans mon kilou, comme preuve, Jésus-Christ a envoyé dans mon kilo. Oui, Jésus-Christ a balé moi sa botte. Non. Jésus-Christ est un Dieu, il était venu, il a manifesté son amour. Mais aujourd'hui, il y a combien de Jésus-Christ a balé basi, ba boti, ba na. Et Jésus a bon souri, il a fait ce qu'on dit maintenant. Il a sincère, il a battu. Il a battu à mon kilo. À ce moment-là, sincérité, on a exalé vraiment posé. Zambé à Pambola. Mais c'est bien, est-ce que vous avez encore une autre question? Parce qu'il me reste 3 minutes. Pasteur Richard Olinga qui, en conclusion, au résumé, le Lengenini, il y a quoi adorer Zambé. Oyo et koki ko sepelisae. Oui, le lengue ya kodore nzambe oya malamu izana katna. D'abord l'amour, l'aimer. Cet amour va se manifester par votre affection envers Dieu. Et cet amour va se manifester par votre façon d'aimer les autres. Et cet amour va se manifester par votre façon de prononcer des paroles dignes de valeur ya kombo ya nzambe. Et tout le monde, tous à la distraite na katna adoration na biso pona ko kene ko na ngombate. Tout le but, tout ça la tête, bah tout autant vous allez qu'au sambela et tout ça la posa, il y a tout le macambo, au besoin tout ça y est batté. Il s'agit tout ça la intelligence, peine la sagesse. Il faut que raison que notre adoration soit la réfléchie. Alors que moi, les amis, soit la dibisole à comprendre que pour adorer Dieu, il faut qu'au tambour na kat na crainte l'Éternel. Quand on ne craint pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Et quelque part, il soit le but, bah tout, bah ça connu dans kana monoko, mité on l'envoie les musika. Cela veut dire que bah tout on a bandé quoi adorer Nzambe. Mais bango na kat na bango bazaki ba impiti ki ba escro ba voleur. Il faut d'abord commencer par combattre le péché, confesser ses péchés, maintenant avoir confiance en Dieu. Et quand on marche dans avec la vie des péchés, vous trouvez un pasteur à Sara Kinumba avec le cerf, un cerf pasteur na bumaka na yen, en même temps bozo ke na gisa zo yen banze bozo bina makase. C'était un pasteur impiti que dans cette église vous pas encore prier. Eh maman, si tu na gisa vous avez ensemble bozo ko yen pasteur, sortez. Ce n'est pas une église. Ils allaient sale, il y a impudicité. Il faut quitter là-bas. Vous vivez dans une église où le pasteur Bobimana est déjà. Et vous avez le courage d'aller prier là-bas.
Vous trouvez même votre sanctification, votre prière est à zéro à Kindumba. Vous n'avez pas encore à prier là-bas. Alors, vous comprenez que si vous faites des pareilles choses, dans l'adoration à Bino, vous allez bander la parole. C'est pourquoi on demande d'abord la crainte de l'Éternel et se donner à Dieu et faire confiance à Dieu, se donner totalement en Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Zambé a pambo la bande de Kobal, Bibiso, Jean 8, 32, le bi, tant ou yaba solo, solo, kokangola yo, nous avons avenu Luanga numéro 3815 dans la commune à Barumbu, et qui est allé Nicolo chaque dimanche, qui est allé dimanche dans la cas de 8h30 à 11h. Après, chaque mercredi, vendredi, nous en quittons de 17h30 jusqu'à 19h30. Vous avez le numéro du pasteur, au Koko Benga, ou la Nakabiso, na Internet, partout, même au Soko Yubito, vous en avez des quelque part, vous en avez des matières, vous avez des facile, vous avez des matières, 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 Nzambe a posé ngate ko pambola yo. Nzambe a pambola bande ko nyonso ici ka bozali partout bozan da biso na mboka nyonso bozali le boko na Nzambe za na bino, vous tenir à passer na bino, vous tenir église na bino, vous tenir œuvre ya nkolo Yesu Masia e kende liboso botika la malamu bino nyonso e na pamboli bino nyonso la technique partout bino so bana les chemins botika la malamu na kombo Yesu Masia. Bye bye. Amen. Salanga na kokakateo mabena kubuya yango.